Merci beaucoup. Bonsoir! Bonsoir! C'est parti! C'est parti pour une autre semaine, une autre discussion sur des sujets de couple. Ce soir, on parle d'être seul, d'isolement, se sentir seul, soit célibataire ou soit en couple, ou des fois d'avoir besoin d'être seul. Hein? Ça peut être ça aussi. Hein? Fait que ça, j'aimerais qu'on fasse un peu le tour de la question ce soir. Qu'on puisse discuter. Oups, on a perdu un. Il voulait être seul. Il n'a pas plugué son ordinateur, ça arrive tout le temps. C'est ça, il revient. Il a perdu. On connaît Jean-Pierre. C'est ça. Le revoilà. Fait qu'allons-y. Allons-y avec notre question ce soir. C'est quoi pour vous autres? Vivre la solitude. Où est-ce que ça vous arrive de vous sentir seul? On va commencer par ça. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir seul, même si vous êtes en couple? Ça se traduit comment, cette solitude-là? Bonne question. Ben, c'est une bonne question, mais moi je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir avoir notre temps, nous. Puis la solitude, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé peut-être dans les derniers 5 ans, que je me suis aperçue que ben, j'en avais besoin. Avant, j'étais toujours avec des gens, puis je croyais que c'est ça que ça me prenait. Puis, j'imagine qu'à un moment donné, ne pas avoir assez de temps pour moi-même, je me suis aperçue que c'était quelque chose que j'avais vraiment besoin, puis c'était vraiment positif. Donc, quand je suis seule. Puis pour toi, ça se traduit comment? D'être seule? Bien, la solitude. Parce que, tu sais, là, dans le fond, je t'ai demandé, est-ce que ça t'arrive des fois de te sentir tout seul? Tu sais, de te sentir seul de ta gang, là, seul dans ton coin, de te sentir isolé dans certaines circonstances ou. Parce que, tu sais, ça arrive qu'on ait besoin de chercher de la solitude, tu sais, puis d'avoir du temps juste pour nous, puis tout ça, là. Ça, on va y revenir. Mais j'aimerais ça savoir, est-ce que ça vous est arrivé? Puis c'est sûr, là, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive à tout le monde. De se sentir seul, puis comment ça se traduit? De quelle façon ça se passe quand vous vous sentez seul? Ça, c'est une bonne question. Ben, moi, je peux répondre. Ouais, vas-y donc, continue. Moi, quand je me sens seule, là, ça fait mal en dedans. Tu sais, c'est la solitude, quand je me sens seule, c'est plus quand il y a des événements. Que ce soit à Noël, parce que je travaille toujours à Noël, ou que ce soit quand j'ai des choses à faire que j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit, là, je me sens tellement seule. Là. C'est effrayant. Mais si je vais être tranquille à la maison et je suis tout seul, ça, c'est pas grave. J'ai pas cette douleur-là. Mais j'ai beaucoup la douleur quand c'est des événements, puis quand j'ai des choses à faire, puis que, il me semble que j'aurais besoin, même si c'est pas juste de l'aide physique, mais. D'être accompagnée, d'être accompagnée. Ça, pour moi, ça... Ouais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être seule? Parce que là, tu me dis que parmi des événements, quand il arrive des événements, des fois, tu peux te sentir seule. Mais ça se passe comment? Qu'est-ce qui fait que tu te sens seule? Oui, mais ça, c'est ce que tu ressens. Mais qu'est-ce qui va se passer, dans le fond, pour que tu te sentes seule? C'est-tu parce que les autres ne savent pas? C'est-tu... Je cours pas après, par exemple. C'est pas que les autres ne m'écoutent pas parce que je demande d'avoir quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est... Donne-nous un exemple. Okay? Si tu as quelque chose en tête, parce que c'est sûr, je te vois aller, tu as quelque chose dans la tête. Mais souvent, je me dis parce que je ne mérite pas. Je ne mérite pas, là, tu sais, comme... ou je ne veux pas déranger. Tu n'oses pas demander. Pardon? C'est-tu parce que tu n'oses pas demander? C'est-tu ça? C'est ça. Fait que c'est ça. Être seul, c'est vraiment...
C'est une douleur pour moi être seule. Là. Tu ne te sens pas supportée, dans le fond. Tu ne te sens pas appuyée. Tu ne te sens pas secondée. Ben, moi, je te dirais juste aimée. Aimée. Ouais. Je te dirais juste ça. On ne m'aime pas. On ne m'aime pas assez. Pourquoi je suis seule? Mais je ne demande pas, là. Mm. Comme Anna dit, je le demande pas. Fait que c'est dans certaines circonstances, dans certains événements, ou peut-être au travail, ou tu sais, quand tu es, je sais pas, tu as une tâche à faire, puis que là, il faut s'organiser. Oui, OK, ça ressemble à ça. Puis que là, on dirait qu'il faut tout que tu fasses. T'sais. Puis pourquoi est-ce que les autres ne sont pas là? Puis là, tu te sens tout seul de ta gang. Oui, oh, oui. Okay. Fait que c'est, ça serait mais là. Vraiment. Oui, que tu viens de mettre le doigt dessus, là, c'est vraiment, je me sens toute seule quand je demande pas. Mm. Puis j'ai besoin. Si je me sens, si je suis seule, puis je n'ai pas l'impression que j'ai à demander, mais je ne me sens pas seule. C'est ça. Je me sens toute seule quand je n'ose pas demander. Là, je me sens toute seule. En fait, est-ce que tu dirais que c'est te rejeter toi-même? Ben, c'est rejeter et peut-être pas respecter, là. C'est ça. C'est dans le sens que, tu sais, tu te sens seule, mais tu t'isoles. Ouais, ben, c'est en plein ça. Puis des fois, je me dis... quand tu dis ça, là, que je m'isole, ça, c'est plus par rapport à mes amis. Tu sais, comme la semaine passée, Suzanne a... j'étais toute seule ici vendredi, puis tu vas-tu souper avec Daniel une prochaine fois? J'avais pas envie. J'avais envie d'être toute seule. Tu sais, puis mais là, c'était mon choix. Mais en même temps, j'étais déchirée entre... J'aurais pu avoir de la compagnie, mais j'ai décidé d'être toute seule. Mais là, regarde, là, je suis seule. Tu ne peux pas tout savoir. C'est ça, tu sais, je ne peux pas être avec. Tu sais, j'aurais peut-être voulu avoir de la compagnie pendant une heure, puis après ça, c'est beau, mais tu sais. C'est fascinant pareil, hein, parce que tu vois, tu peux être tout seul, puis tu es tout à fait bien. Oh, ouais. Tu peux être avec quelqu'un d'autre, puis tu te sens tout seul. Oui. Puis tu peux être avec plein de monde, puis avoir bien du fun, puis tu te sens pas tout seul, puis être avec une autre personne, puis tu te sens pas tout seul. Fait que c'est comme, voyons, qu'est-ce qui fait la différence entre le fait que je me sente seule ou que je ne me sente pas seule? On va aller voir les autres, puis on reviendra sur ça, parce que c'est croustillant un petit peu, là, je trouve ça le fun. Ben, Anne, ton micro est ouvert, fait que je vais vers toi si ça te tente. Ben, ça me parle ce qu'elle dit parce que moi, je me reconnais un petit peu là-dedans aussi. C'est que c'est comme si, pour moi, justement, quand j'ose pas demander, puis tout ça, puis c'est comme ce matin, elle me dit ben, pourquoi moi, souvent, je suis au-devant des autres. T'sais? Fait que j'ai comme une croyance que les autres sont supposés d'être comme ça aussi. Mais tu sais, c'est moi, c'est juste à moi à faire la demande, puis tout ça. Fait que c'est ça que, tu sais, c'est ça. C'est moi qui m'isole moi-même parce que je ne le fais pas, tu sais, je le demande pas l'aide ou tout ça. Puis souvent, je me sens toute seule quand je me sens différente des autres. Quand tu te sens différente des autres? Oui, oui. Puis je me juge, tu sais, c'est ça. OK. On revient au rejet, hein, finalement. On revient. On frôle ça, là. Ça ressemble à ça. Et, fait que, t'as-tu ciblé que plusieurs circonstances dans lesquelles tu vas te sentir seule? C'est sûr que j'ai de la misère à m'intégrer dans un groupe. Ouais, c'est souvent comme ça. Parce que qu'est-ce qui fait que tu as de la misère à t'intégrer dans un groupe? Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Ben, c'est que je ne sais pas quoi dire. T'sais. Moi, parler de la pluie et du beau temps, ça m'emmerde. Puis pourquoi tu ne parles pas d'autre chose que la pluie et du beau temps à toi d'initier une autre conversation?
Oui, mais tu sais, des fois, tu sais que les gens sont ouverts à la spiritualité. Tu dis, là, je vais y aller puis je vais être bien. Mais si tu sais que la personne. OK, elle... fait que c'est là que tu te sens extraterrestre, oui, que tu te sens seul de ta gang, là, parce que oui, les gens ne pensent pas comme toi. Puis, fait que donc, c'est le réseau dans lequel tu es que, qui fait que oui, tu as moins de plaisir et tu te sens seul, là. OK, dans oui. cette circonstance-là. OK. Oui. Okay, mais tu sais, je suis là-dedans là, de me chercher puis de m'ouvrir à un réseau qui résonne avec ce que je suis, tu sais, pour être bien, justement. Exactement. Exactement. Puis, est-ce qu'il n'y a pas une peur, tu sais, quand tu arrives dans un groupe, mettons que tu arriverais dans un groupe où, justement, ils ont cette ouverture-là dans la spiritualité puis toutes ces affaires-là comme thème. Là, là tu arrives là, il y a bien du monde, là. Comment tu vas t'intégrer au groupe? Comment est-ce que tu vas aborder? Comment est-ce que tu vas chercher la relation dans ce groupe-là? Est-ce qu'il va y avoir des peurs qui vont monter? Oui, c'est sûr, c'est certain. Ça ressemble à quoi? Ben, je trouve ça plus facile quand les gens sont ouverts et qu'ils ont les mêmes intérêts. Ça, je trouve ça beaucoup plus facile pour moi, en tout cas. Ben, c'est pour tout le monde, ouais. Oui. Oui. C'est une bonne question. Quelle peur qui montrait? Parce que tu n'as pas commencé à aborder les gens encore. Tu es là, puis tu arrives, ouais. mettons, dans le salon de l'ésotérisme, où c'est sûr que tout le monde sont branchés. Là, OK? Ils sont branchés là-dessus. Là. Fait que là, tu rentres, là, tu ne connais pas personne. Comment tu vas faire pour ouvrir une relation quelque part? Puis ben, pas te sentir seul, isolé. Je vais y aller avec mon senti. Je vais y aller selon ce que je sens, les personnes, tout ça. Puis là, je vais aller faire une personne que je sens que ça vibre comme moi. Là, ça va être plus facile. En fait, tu ne sais pas. Tu sais, mettons que tu arrives, tout le monde est debout, tout le monde est en train de jaser, donne des groupes de deux, trois, quatre. Puis là, toi, tu arrives, puis là, tu es tout seul, là. Là, tu es tout seul, là. Là, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre que quelqu'un vienne vers toi? Non, mais. Tu vas t'avancer. Ben, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui sent beaucoup, ressent beaucoup. Ben, je pense que je vais le sentir. Puis je vais tu aller. Tu vas sentir quoi? Là, je suis dans le néant, là. Tu vas sentir quoi? Ben, je ne sais pas, mais c'est comme si je sens l'énergie. Je sens que la personne. Je ne sais pas, c'est comme une vibration qui m'attire. Puis qui... Je ne sais pas comment expliquer. OK, ce que tu es en train de me dire, si je ne me trompe pas, corrige-moi, là. OK, ça veut dire que tu vas attendre de voir. En observant si tu vas te sentir attiré vers une personne ou non pour aller ouvrir la conversation. C'est ça, oui, exactement. Sinon, la peur, elle est quoi? Parce que là, tu es dans ton groupe d'ésotérique, où tout le monde a cette ouverture-là. Oui. Donc, la peur, elle est quoi? Parce que ça prend un ingrédient de plus encore. Là. On commence à être un petit peu plus difficile. Là. Hein? Fait que c'est quoi la peur en arrière de ça? Peut-être le jugement, oui. Le rejet, le jugement. Peur d'être jugé, oui. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté, ouais. peur d'être isolé. Oui, oui, oui. Hein? Ça ressemble à ça. Hein? Faut par peur d'être rejeté, d'être isolé, hein? On ne bouge pas, on s'isole. Oui, c'est vrai. Puis ça peut être dans mille et une circonstances. Tu sais, s'il n'y a pas de... Tu peux être en couple, c'est comme ça. Il y a des choses que tu n'oses pas y dire, tu vas t'isoler. Tu sais. Fait que c'est... L'isolement, ça part de là. Ce n'est pas question d'être seul, ce n'est pas question d'être en couple, ce n'est pas question d'être en groupe. Hein? On le voit, il y a toutes sortes de circonstances différentes. Oh oui. C'est quand même intéressant. Oh oui, Suzanne, tu voulais-tu rajouter quelque chose, Suzanne, là-dessus? Non, non, je vois où est-ce que tu t'en vas, puis c'est pas vrai. Parce que, justement, si je me mets à la place de Anne, puis là, je suis avec des gens que je connais pas, mais c'est comme, je vais-tu être à la hauteur? Est-ce que... Exactement, c'est cette peur-là aussi qui peut arriver. Moi, habituellement, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les gens, je vais sourire, puis dépendamment... Habituellement... Si tu souris à quelqu'un, tu vas sentir une certaine énergie. Mais à un moment donné, il faut que
j'ai besoin de me pousser justement pour y aller parce que là, je suis là, je ne peux pas attendre que quelqu'un vienne. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui attendent justement que les autres allent vers eux. Donc, à un moment donné, il faut prendre le lead parce qu'on va rester. Si on fait tout ça, on va tout se regarder. C'est ça. Puis c'est vrai. C'est ça qui va bouger. Puis c'est vrai que c'est. Si tu as des gens, tu as des gens qui sont deux, trois personnes, c'est des gens qui se connaissent. C'est comment que je vais m'immiscer dans leur conversation? Je vais-tu les déranger? Il y a plein de questions qui peuvent arriver aussi. C'est certain que si tu vois une personne seule, ben là, tu dis « Oh, va y aller avant qu'elle soit plus toute seule. » Je ne sais pas trop, là. Mais, tu vois, la peur de déranger, ça vient avec la peur d'être rejeté voilà. aussi. Et voilà, exactement. On revient encore alentour de ça. Là. Fait qu'on, on patauge toutes dans les mêmes eaux. Ben oui, mais comment tu fais, mettons, si des gens sont en train de converser, comment tu t'es mise dans la conversation? Ça, c'est un art, j'imagine. Parce que tu as raison, c'est la peur de déranger au cas où que ben, peut-être comment ils vont réagir si je m'en viens et je me joins à la conversation. Ils me veulent-tu dans la conversation ou non? Tu sais? On demandera ça à ma sœur. Oui, il y a des experts là-dedans. Ah, il y a des experts. Des experts aussi envahissants de ta bulle. Oui, ça aussi, tu as l'isolement, mais tu as aussi l'inverse. Là, donc, qui rentre dedans, mais comme il faut, puis que tu dis oh, dégage. Mais d'une façon ou d'une autre, de toute façon, Anne le dit, Suzanne, tu le dis aussi, il y a une question d'énergie là aussi. Toi, tu vas regarder, y a-t-il quelqu'un qui va te sourire, tu vas sourire, OK, il y a une ouverture de sourire, je vais y aller, je vais aller voir, je vais m'orienter, je vais m'essayer. Puis, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu veux rajouter, je ne sais pas si tu veux ouvrir ton micro ou si tu es là juste pour écouter, là. Oui, c'est beau ce que je viens d'entendre là, d'associer ce que Anne, elle expliquait, parce que j'ai un peu comme ça, moi aussi, quand que je vis un nouveau groupe, parce que j'ai vécu ça, moi, depuis un an ou deux, des nouveaux groupes. Puis, je rentre là sur le point des pieds, tu sais, puis tu vas tranquillement. Puis à un moment donné, il y en a même un qui était assis dans le groupe parce que là, j'ai commencé à donner mon opinion, puis tout ça. Il dit quand? Il dit, comment est-ce qu'il a dit ça? Il dit, il prend sa place, tu sais. Il voulait montrer que là, je commençais à m'exprimer, puis que. Je disais ce que moi je croyais, tu sais, sans avoir peur. Mais j'ai beaucoup aimé entendre l'échange avec Anne pour dire que dans la vie de couple, quand on a peur de parler puis qu'on est sur le point des pieds, ben c'est ça, c'est de la peur qui est en arrière de ça. Tu sais, c'est toujours de la peur, ça revient toujours au rejet, ça revient toujours. Puis à l'isolement, c'est s'isoler. Mais si on va encore plus creux en arrière de ça, c'est un manque d'assurance, un manque d'amour de soi. C'est carrément ça qui est la pointe de l'iceberg en haut, là. Si je me sens seule, mais avant d'aller trop là-dedans, j'aimerais ça entendre pour toi, Jean-Pierre, là, quand tu te sens seule, dans quelles circonstances est-ce que tu te sens seule? Parce que je sais, tu es célibataire, là, est-ce que ça t'arrive quand tu es toute seule, de te sentir seule, étant toute seule? J'aimerais ça entendre ça. Ça a été très dur pour moi quand j'ai quitté ma femme en premier. Ça a pris plus qu'un an avant que quand j'allais faire mon épicerie, que les larmes coulaient pas. Là, je suis tout seul, je fais mon épicerie, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens tellement perdu, je ne sais pas trop. Ça a été une affaire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup échangé avec Anne, puis on s'est entraidé beaucoup. Puis aujourd'hui, ça m'arrive. Puis tantôt, je vous écoutais parler. C'est où que ça m'arrive que j'ai de la solitude? C'est pas de chez nous maintenant. Parce que de la solitude, je suis capable de la vivre. Mais ça m'arrive de temps en temps.
Puis je ne suis pas capable de dire là, oui, à telle place, à telle place. Mais quand ça m'arrive maintenant, je me dis, il y a un tabarouette de gang tout autour de moi que je ne vois pas avec mes yeux. Tu sais, c'est... Puis ça me fait complètement sortir de cette léthargie, là, que je pourrais dire. Mm-hmm. Ça me ramène dans la joie de dire, ben écoute, profite donc. Puis là, dans ce temps-là, écoute, ça me change complètement. À cette heure, ça me nourrit, ça. Puis, qu'est-ce qui a changé, Jean-Pierre? Qu'est-ce qui a changé quand tu allais faire l'épicerie puis que tu pleurais? Qu'est-ce qui t'habitait à ce moment-là? Pour que, parce qu'on est dans la solitude, puis c'est ça que tu as mentionné. Fait que quand que tu faisais ton épicerie, puis que tu pleurais, puis à un moment donné, ça a comme arrêté. Qu'est-ce qui a changé? c'est carrément l'amour de moi. Hein. C'est carrément ça. Écoute, je m'aimais pas, je m'acceptais pas. Qu'est-ce que tu te disais pour pleurer à ce moment-là? Quand tu allais faire ton épicerie, tu as un scénario que tu avais dans ta tête, c'était quoi? Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais ça arrivait tout bonnement. Là. C'est comme si là, je me rendais compte que je n'aurais pas dû être tout seul pour faire ça. Je ne sais pas, mais je dis ça là, au pain hasard. Là. Mais c'est comme si il y avait du monde tout le tour. Mais c'est pas ça aussi. Je sortais de mon chemin normal, aller faire l'épicerie. Moi, c'est toujours Gisèle avec mon ex-femme qui faisait l'épicerie. Là, moi, je faisais que je sortais de mes manières d'agir. Puis là, écoute, fais l'épicerie, t'achètes quoi, là? Puis c'est-tu celui-là? C'est-tu la boîte bleue, la boîte jaune? Bien, la boîte... Tu sais, c'est comme si... Là, j'essaie de trouver des réponses à pourquoi j'étais si triste à faire l'épicerie. Mais c'était ça en tabarouette. Puis ça a duré plus qu'un an, ça, avant d'être capable de... Puis aujourd'hui... Ça se peut-tu que ce soit le... Je te lance ça. Puis je suis peut-être dans le chat, là. Mais ça se peut-tu que ce soit le simple idée d'être seul maintenant? Juste l'idée de dire maintenant je suis tout seul. Est-ce que ça se peut que ce soit ça qui nourrissait cette... Ça a un certain bon sens, ça, parce que même aujourd'hui, de temps en temps, je me dis, Colif, je suis tout seul, moi, Colin, là. Puis là, je me dis, écoute, je ne suis pas tout seul, j'ai du monde tout autour de moi, puis tu sais. Je sors de là beaucoup plus rapide, ça a du bon sens à chanter. Ça vient brasser ça. Hein? Ouais, puis ouais, quand ouais. Tu dis Colin, je suis tout seul, là, ça vient dire quoi finalement? T'sais? Que là, tout à coup, Colin, je suis tout seul. Là. La traduction de ça, ça voudrait dire quoi? Ça veut-tu dire je suis rejeté par tout le monde? Il n'y a personne qui veut me voir. Je ne suis pas assez aimable. C'est quoi qui se passe dans ta tête? C'est comme si tu n'es pas avec quelqu'un, tu ne vaux pas cher. Voilà. Croyance. Ouais. Exactement. Ça veut dire que tu es dans la face de tous les autres gens que je ne vois pas, mais qui sont tout autour de moi ou plus loin. Je ne vaux pas grand-chose parce que je ne suis pas capable d'être avec quelqu'un. C'est ça que moi, je crois qui m'habite, t'sais, qui m'a habité, mais qui a envie d'un peu d'habiter encore. Si je suis capable de le dire si carrément, c'est parce que c'est ça. Mm-hmm. Fait qu'on revient dans le jugement, finalement. Mm-hmm. On revient dans la peur du jugement. Fait qu'on se juge. On pense que les autres nous jugent, on a des croyances, et tout ça, ça vient brasser encore l'amour de soi. Uh-huh. On est toujours dans le même pic, là, dans le même pilier. Et ce faisant,
qu'est-ce que je fais parce que je manque d'amour de moi? Je m'isole des autres. Voilà. Je me rejette, je rejette mes besoins. Mes besoins de relation. Ben, je ne suis pas obligée d'habiter avec quelqu'un pour être en relation, pour ne pas être seule. Il y a plein de monde sur la planète, tellement il y en a partout. Hein? Il y a plein de gens qui peuvent satisfaire nos besoins si je m'en occupe. Dans le respect, naturellement. Si je m'en occupe, je m'occupe de mes besoins en relation avec les autres. Puis ça, c'est de s'accorder de l'importance, c'est s'accorder de l'amour aussi. Oui, ça vient toucher quelque chose de, pour moi que je ne m'occupe pas assez de ça. C'est comme si m'aller travailler, m'aller passer, m'aller m'oublier que de combler ça. Puis c'est le fun parce que je le vois carrément, ce que c'est que Chantal, ce que je vis. Hein. Puis c'est à moi à me réveiller là-dedans, là, d'entendre ça, puis de dire, ouais, pourquoi qu'une journée tu t'en vas pas voir quelqu'un? Pourquoi tu vas pas jaser avec un autre? Puis c'est beau, c'est toujours nourrissant, ces collines de réunion-là. Ouais, c'est vrai. J'aimerais ça, il m'a dit quelque chose pendant que tu parlais, Jean-Pierre, ça m'a fait. Je pense à une situation en particulier. Je suis dans un souper de famille et tout le monde parle, tu sais. Tu vois que tout le monde est en conversation avec tout le monde, tu sais. Il y a plusieurs micro-conversations, puis partout, il y a du bruit, là. Tout le monde, ça parle, puis tout ça. Puis moi, je suis là, puis j'observe, je mange tranquillement. Puis là, à un moment donné, j'observe mon beau-frère qui parle. Il est en conversation, puis là, je cherche c'est qui son interlocuteur. Il y en a niet, zéro, pas de mort. Il n'y a personne qui parle avec. Il parle tout seul. Alors là, je l'observe, tu sais, je fais comme... Il ne se rend pas compte qu'il n'y a personne qui l'écoute. Ça se peut pas. Alors là, je fais comme... Ouh! Puis lui, il parle. Là. Il est occupé, aussi, il parle. Ouh! Ouh! Alors là, il fait... Quoi? Quoi? Je dis, tu ne te rends pas compte que tu parles tout seul? Oui, je sais, j'ai l'habitude. Moi, je tombe à terre. Okay? Je suis tellement. Tu n'as pas le goût d'avoir une conversation juste avec quelqu'un. Ça t'entraîne-tu? Moi, t'écouter. Moi, t'écouter. Tu sais? Okay. Moi, de toute façon, ce que j'ai à dire, ça ne t'intéressera pas. OK. OK. Ben, c'est quand même fascinant. Ben, voyez-vous quand même le modèle? Hein? Le modèle est très, très caricatural. Ça existe. J'ai été témoin de ça. Hein? Ça existe. Comment est-ce que, quand on est des fois tellement seul, parfois sortir de l'isolement, en tout cas, donner une impression, parce qu'on reste dans cette croyance, tu sais, que si je ne parle pas avec quelqu'un et que moi, je n'ai pas une conversation, c'est parce que je ne suis pas assez intéressant. Hein? Il prend une conversation, il parle dans le vide comme s'il parlait avec quelqu'un et que personne ne le regarde. T'sais. Il est en communication avec personne. Mais personne ne s'en est rendu compte à part moi parce que moi, je ne suis pas occupée. Moi, j'étais dans mon assiette, puis je mangeais vraiment. Ben, moi, j'étais seule avec moi, puis j'étais bien dans ma tête. Là, je suis comme... c'était flagrant. Et puis, j'y offrais la relation, tu comprends-tu? Quand même. Et il s'est rejeté lui-même. Il s'est rejeté lui-même. Plutôt que d'avoir quelqu'un pour converser avec lui, il ne cherche pas à avoir un sujet de conversation qui pourrait nous réunir toutes les deux, où on pourrait avoir un sujet d'intérêt intéressant, où on pourrait discuter de quelque chose. Lui, il a mieux parlé de ce qu'il a le goût de parler, que ça t'intéresse ou que ça ne t'intéresse pas. Il s'en fout. Mais il donne l'impression d'être important. Il est dans... Il est dans l'absurde à quelque part, là. Il est dans le vent. Fait qu'il se crée, il se fait croire à lui-même. Pour ne pas se juger. Mais il s'est déjà jugé quand il me dit de toute façon ce que j'ai dit, ça ne t'intéressera pas. Bang! J'ai fait OK. C'est toi qui décides, pas de problème. T'sais? C'est correct. Puis il a continué sa conversation. Wow, c'est très intéressant. J'ai jamais vu ça. Ah oui, je te le dis, c'est fascinant. C'est fascinant. J'étais,
J'ai déjà entendu des gens dire « Oh, peu importe ce que je dis, c'est pas, ça intéresse personne. » Je l'ai entendu, mais j'ai jamais vu quelqu'un parler toute seule. Mais à mon avis aussi, est-ce que c'était aussi une façon de rester dans sa victimisation en disant « Non. » Mais de rester dans sa peur d'être rejeté, il préférait faire semblant et ne pas être là. Puis là où je veux en venir, c'est que pour certaines personnes, l'isolement, c'est trop parler. C'est parler beaucoup. C'est pas se cacher. C'est pas s'isoler. C'est pas rester toute seule nécessairement. Ils vont rester seuls dans le sens que ils vont parler, donner tellement leur opinion à tout venant, tu sais, qu'il n'y a pas d'échange. Ils font un monologue et bon, viens pas y contrarier, là. Viens pas interférer, là. Viens pas leur dire écoute, c'est mon moment, là. J'existe. T'sais? Mais ils n'ont aucune relation. Fait que ça aussi, c'est être seul. Ça n'a pas l'air de ça. T'as des gens qui ont la parole facile, là, où tu vas jaser. Mais tu choses seul. Un peu comme l'autre, là. Un peu comme mon beau-frère, là, que je suis comme, tu sais, est-ce que tu parles seul? Ouais. OK. Mais tu as aussi des gens avec qui tu essaies d'avoir une conversation, mais ils font juste parler d'eux autres. Puis tu viens pour dire quelque chose, puis ils continuent. Puis là, c'est comme, ben, as-tu goût de jaser ou tu veux être seul, justement? Ça, c'est peut-être près du beau-frère, là, mais dans le fond, moi, je suis là, je t'écoute, puis je viens pour dire quelque chose, puis là, oups, tu retournes ça à toi. On exactement. A pas une conversation, là. Il y a pas de relation. Il y a quelqu'un qui est là pour m'écouter. Il va-tu entendre, tu sais, ce que je vis? Il faut que je me vide, il faut que je passe, il faut que, tu sais. Puis on voit ça beaucoup aussi, même chez les personnes âgées. Tu sais, des fois, tu vas aller rencontrer des personnes âgées, puis tu vas dire, puis comment ça va? Puis ils vont te raconter toujours la même affaire pendant une demi-heure de temps. La même chose. J'en ai un même que je connais. Lui, tout le temps, il va te dire quelque chose, il va se répéter 3 fois. Ouais. Quand il dit quelque chose, il répète sa phrase 3 fois. Ça devient gossant, là. Mais, tu sais, tu dis, OK, il pensait que je n'avais pas compris, mais là, c'est parce que c'est tout le temps, tu sais. Mais c'est parce que quand il l'a dit, il a pensé qu'il l'avait gardé dans sa tête. Fait que peut-être qu'il ne l'avait pas exprimé vraiment par sa bouche. C'est comme si la conscience n'avait pas été connectée jusque-là. Là, il leur dit, ça a-tu bien sonné? Je me suis bien fait comprendre. Puis là, il va leur dire une autre fois. Mais des fois, il y a des petits mots qui vont être changés parmi ça, mais ça. Puis il y a de l'intonation qui va changer d'une phrase à l'autre, mais c'est la même phrase, tu sais. Fait que c'est de dire, c'est beau, j'ai entendu que, et tu répètes. Oui, c'est ça, c'est. Fait que mais c'est vraiment ça, c'est l'isolement. Est-ce que tu considérais ça aussi de l'isolement, quelqu'un qui écoute beaucoup, mais qui ne parle pas d'eux autres même? À un moment donné, c'est que tu as une conversation, même si tu vas avoir une conversation, là, c'est l'opposé. C'est-à-dire que tu commences à parler, puis là, tu lui poses une question, mais il te revient à toi, puis là, tu continues à parler de toi-même, puis à la fin de la conversation, tu dis, on n'a pas parlé de toi, on a juste parlé de moi. Donc, c'est-tu une forme d'isolation, ça, les gens qui font ça? Aussi. Aussi. Ça peut être un choix aussi. Parce que des fois, tu vas converser avec quelqu'un, tu vas être empathique envers la personne, tu vas être sensible à elle, mais tu ne serais pas nécessairement prête à ouvrir une relation avec cette personne-là. T'sais? C'est ça. Ça peut être choisi comme ça peut être une fuite. Puis oui. Si c'est une fuite, automatiquement, oui, on est dans l'isolement parce que je suis dans le rejet de moi-même. Que ça peut être oui, ça peut être non. Ça dépend de la situation parce que je ne suis pas obligée, si je jase avec toi, de me livrer. Je ne suis pas obligée de te dire ce que moi je vis. Là, non, c'est ça. Mais tu as des personnes, définitivement, qui sont très, très, très réservées, qui ne parlent pas beaucoup dans le naturel et qui, définitivement, vont s'isoler. Et moi, si je ne parle pas trop, je ne penserai peut-être pas trop pour épais. Il peut y avoir plein,
plein d'excuses en entour de ça, mais oui, définitivement, c'est une forme de rejet, c'est une forme d'isolement. Oui. C'est être seul aussi. Oui. On n'a pas parlé de se sentir seul. Ce que j'entends beaucoup aussi, c'est parce qu'il y a, quoi? Il y a 51% de célibataires, OK? Et au Québec, là. Okay? Fait que la moitié du monde, c'est les célibataires. Bon. Et puis, ce qu'on entend beaucoup, c'est j'aurais juste besoin de rencontrer, d'avoir un contact humain. J'aurais juste besoin qu'on me serre la main, qu'on me tape l'épaule, qu'on puisse même juste me caresser la joue. T'sais, un contact humain. Il y en a que c'est vraiment l'isolement total où il n'y a aucun contact physique. Souvent, dans des animaux, on va peut-être compenser ce besoin affectif-là aussi, ce besoin de caresse par les animaux. Mais c'est pas un être humain. T'sais. Ça ne compense pas notre besoin d'être en relation avec quelqu'un. Puis la relation, ça passe par les cinq sens aussi. Fait que c'est pas juste dire « je vais jaser », je vais être entendu, écouter, je vais le voir. T'sais. C'est « est-ce que je peux toucher cette personne-là aussi? » Avec l'isolement, ça va là-dedans aussi. Fait que je peut-être pas dans cette situation-là. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je l'ai vécu très, très, très fort au début de la COVID. Oui, exact, exactement. C'était pour moi, puis moi, en plus que je sortais d'une relation, je venais d'arriver ici, je venais de retrouver mes amis, paf, la COVID. Pour moi, j'ai trouvé ça très, 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 très dur parce que je suis quelqu'un qui est très, très physique. Moi, je touche beaucoup. Là, ah, des gros câlins. Puis, puis c'est un besoin pour moi aussi. Là. J'ai trouvé ça pas vivable. Ça, c'était une solitude. Là. Hey, j'arrivais de travailler, je rentrais dans la maison, mais il ne se passait rien. Là. Puis je ne pouvais pas aller là. Personne. Puis tout le monde avait peur de toi. Fait que tu allais chez quelqu'un. C'était dehors, ça allait sous le palier, puis t'es là. Tu sais, c'est. Hey, puis je voyais mes parents à travers la bay window, tu sais, c'était comme. Oui, il y avait une barrière dans la relation. Mon père, il y avait un isolement imposé. Ah oui, ça a été. Pour moi, là, c'est, je vais m'en souvenir toute ma vie. Là. C'était marquant, là. Puis j'en ai souffert. Puis, qu'est-ce qui était le plus difficile là-dedans? Ben, c'est le toucher. Le fait de pouvoir toucher. Vraiment le contact, là. Et pourquoi est-ce que le toucher devient si important? Ben, pour moi, c'est... serrer quelqu'un, quoi que ce soit, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve que je t'apprécie, une preuve que je suis bien, une preuve que... ça peut être réconfortant, ça peut être sécurisant, c'est tout ça là, pour moi. Là, là. C'est un moyen de communication. C'est ça. Un moyen d'être en relation. Il y en avait pas. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a des gens qui vont communiquer beaucoup plus de façon orale. D'autres vont communiquer énergie, mais ça prend plus que ça. T'sais, on le sent. Mais il y en a qui sont plus énergétique. Et il y en a qui sont dans le toucher. Ah. Leur langage passe principalement par le toucher. Fait que s'ils sont privés de leurs moyens de communication, ils se sentent perdus. Ils se sentent isolés. Ils se sentent tout seuls. Pas personne avec qui échanger. T'sais? Ça me fait penser, tu sais, des fois, tu arrives chez des gens ou tu rencontres des gens. Quand j'étais plus jeune, chez nous, les gros câlins, oublie ça. OK, il n'y en avait pas. Puis j'arrive chez la belle famille, puis c'était comme, waouh! Tu sais, tu te faisais étouffer parce qu'il y était plusieurs, puis
tout le monde, t'as pareil, là, tout le monde a te cherché. Tu me connais pas. Tu sais, puis là, Ron, wow, là, moi, je me sens agressée. Oh, moi, j'aurais aimé ça. J'ai appris à aimer ça. Puis après ça, je cours après, mais j'étais pas dans cette énergie-là. Tu sais, moi, j'étais assurante, prête à ma place. Oh, là. Merci, je suis contente. OK, on est en train de te connaître. Puis, un moment donné, là, si ça, les larmes vivent, moi, y aller. Tu sais, ben, c'est qu'un saut de pouce moi, là. C'était vraiment ça. T'sais. Mais eux, c'était tellement important, t'sais, ce contact-là, que à un moment donné, je vais non. Puis j'ai refusé ces câlins-là. T'sais. Puis là, ça comme. J'ai complètement. Ils ne savent plus quoi faire. Eux autres, ça voulait dire bienvenue chez nous, on t'accepte, on est heureux de te voir, on est content. Tout ça, ça passait par ça, il n'y a pas besoin de rien dire. Et là, ça me dit, oh, non. Tu vois le message quand même qui est envoyé là? Mais moi, je me suis respectée là-dedans. Puis, je suis allée graduellement. Puis, je dis, écoute, moi, j'ai besoin de temps. Je ne suis pas habituée à ça, là. Tu sais? Mm. Et on fait, ah, oh, OK. Mais ils ne comprenaient pas ça, tu sais? Mais quand même. Fait que tu vois que le geste, le câlin, le mais ça reste que juste de faire taper la main, là, tu sais, des fois, là. C'est super important. Et moi, je sais bien que les cheveux, hein, ça va arriver des fois, là, le soir, là, je sors, là. Moi, j'ai envie de tuer une chose, une cheveux. OK? Ben, je sais pas. C'est parce qu'il y a comme une nostalgie ou un besoin de. Ben, pour moi, c'est un gros rapprochement. Le fait de se faire jouer des cheveux. C'est tout le monde qui joue des cheveux, là. T'sais. Mais quand on joue des cheveux, je peux m'endormir là. C'est vraiment là. Ou tu sais, si tu t'en vas chez le massothérapeute et qu'il te fait un massage de la tête, là, c'est extraordinaire. T'sais. Il y a plein de façons de communiquer, il y a plein de façons de rentrer en relation avec les gens. Mais je pense qu'à la base, c'est de prendre conscience qu'on a un besoin de relation. N'a pas nécessairement un besoin d'être en couple. Des fois, on choisit d'être en couple. Pourquoi? Parce que la personne qu'on a rencontrée, on a le goût d'être accompagné par cette personne-là parce qu'on veut marcher à côté. Pas dans ses pas, pas faire fusion, pas faire un, mais on veut être deux individus qui marchent le même chemin, puis on va s'entraider, puis on va apprendre l'un de l'autre. T'sais? Quand tu as à apprendre de l'autre, tu fais, bien, as-tu le goût de partager ce bout de chemin-là avec moi? T'sais? Ça ressemble à ça. En célibataire, ça peut être ça aussi. Tu as des amis. T'sais, c'est quoi ton réseau? Est-ce que tu en as un réseau? Il y en a qui ont zéro réseau. Puis observez bien. Des fois, on est porté à faire le vide dans l'entour de soi. Et pourquoi on fait le vide alentour de soi? Parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur. Puis les autres, c'est notre reflet miroir. Et oui. Donc, plus j'ai des gens alentour de moi, plus je vais être déclenchée. Fait que c'est une question de choix. J'ai le droit de ne pas être déclenchée puis de ne pas avancer puis juste être dans mon petit confort. J'ai le droit de décider, là. Mais si je veux être en relation, m'occuper de ce besoin-là, qui est un besoin fondamental d'être en relation avec l'autre. Mais il faut d'abord que je sois en relation avec moi. Mais c'est ça. Que j'apprenne à m'aimer. C'est ça. Des fois, c'est une étape nécessaire d'être toute seule. Oui. C'est justement quand tu étais longtemps en couple, en relation, à un moment donné, c'est nécessaire de s'arrêter avec soi-même puis d'apprendre à se connaître puis de faire tout ce ménage-là. Du coup. Et pourquoi on y arrive plus facilement tout seul à faire cet ménage-là? Ben, en tout cas, pour moi, c'est parce que je ne me connaissais pas pantoute. Je ne me connaissais pas, j'étais toujours dans l'autre, j'étais. Et voilà, tu viens de le dire. C'est ça. Et voilà. Pourquoi on y arrive plus facilement quand on est tout seul? C'est parce que quand on est à deux, ben, souvent, on est perdu dans l'autre. Oui, exactement. On rentre automatiquement dans fusion. Pourquoi? Parce que je ne m'aime pas, moi, je n'existe pas. Fait que c'est nous! Je viens de me greffer quelqu'un. Je suis tendue. C'est vrai.
Je suis un parasite, là. Je suis une sangsue. Je viens de me greffer quelqu'un. Ben, c'est étouffant pour l'autre, là. Il a besoin de son oxygène, mais moi, j'ai besoin de son air pour respirer. Mm-hmm. C'est pour ça que ça ne marche pas longtemps. Ben, quand je suis tout seul, bien souvent, je vais être portée à faire de l'air aussi. Puis je n'ai pas nécessairement grand monde autour de moi. Puis, ben, si je veux vraiment apprendre à me connaître, je vais aller chercher des relations. Et je vais décider de l'énergie que j'ai besoin à l'entour de moi. On choisit à partir de là. Mais seulement quand on en prend conscience. Ouais. Parce que ce besoin d'être greffé à l'autre, c'est le manque d'amour de soi. Mm-hmm. Quand j'arrive à accorder de l'importance, quand j'arrive à me respecter, quand j'arrive à m'occuper de mes besoins, c'est ça, c'est mes, en fond, là. Quand j'arrive à faire ça, là, après ça, il faut que je le teste en relation. Ça peut commencer avec des amis, ça peut commencer après ça, oh, en relation amoureuse. Mais là, ce qui vient changer, c'est quoi qui vient interférer là-dedans? Ben, ça, des fois, c'est super facile avec les amis. Là. Mais là, oh, tu arrives en relation amoureuse, comment ça, ça ne marche plus? Pouf, la fusion est revenue, si je viens de me greffer en bas. Hein? Comment ça se fait? Pourquoi? Qui c'est qui se fait ça? Ça ne marche pas, c'est rien qu'un être humain comme un autre, là. Qui c'est qui peut faire ça? La peur. C'est la peur qui rembarque à un moment donné. La peur de perdre, la peur de... Oui, mais pourquoi avec le partenaire puis pas avec ta chum? C'est une relation d'amitié, là. C'est une relation amoureuse pareil, là. Mais sans sexe, là. Mais c'est une relation amoureuse, là. Mais oui, mais c'est beaucoup moins... En tout cas, pour moi, la relation de couple, c'est très, très intime. Fait que là, ouais. Il y a quelque chose là de rentrer solide. Il faut que ce soit de même. Oh. Non, là, c'est une relation de couple. Parce que là, tu viens de mettre ça dans une boîte. Puis, c'est plus une relation comme une autre. C'est une relation de couple. Là, il y a quelque chose en arrière de ça. Il y a un mystique sacré. Là, qu'on y a consacré quelque chose qu'on ne sait même pas quoi. Mais il y a une importance capitale là-dedans qu'on n'a aucune idée. Mais qui fait que ouais, là, c'est le couple qui devient important. Moi, je ne suis plus là. Moi, je disparais. Mais pourtant, tout le monde, ça va bien. Mais là, pouf, avec mon partenaire, non. Mais c'est aussi des fois le modèle qu'on a eu dans notre famille. Parce que moi, mes parents, ils sont justement en symbiose. Donc, moi, je pensais que c'était ça le couple, qu'il y avait juste une façon d'être en couple. Puis, dans le fond, ben, on n'a pas besoin d'être comme nos parents non plus. Là. Je veux dire, mais j'ai eu besoin de le briser, ce moule-là. Ça m'a pris un petit bout de temps parce que je ressentais le besoin de vouloir le briser. Parce qu'à toutes les fois, je m'oubliais. Exactement. Je m'oubliais là-dedans. Et voilà. Puis j'étais pas bien. J'ai dit, ben, c'est peut-être bon pour eux autres, mais pour moi, on dirait que c'est pas mon modèle. Donc. Et toi, t'as observé, t'as testé, puis ça a fait que ça fait pas résonance pour moi, puis moi, j'ai le goût de respecter ce qui est là, puis t'es allé. Fait que ça, c'est de l'amour de soi. Eh oui, absolument. Mais quand t'es dans l'amour de toi, tu marches deux. T'sais? Voilà. Ou tu marches bien tout seul, mais tu marches deux, ou tu marches bien avec en relation. Mais quand tu tombes dans une relation de couple, il y a plusieurs facteurs. Il y a premièrement la croyance. Quelle croyance est-ce que j'attache à la relation de couple? Ça, c'est une chose. Des fois, c'est des fées, puis des étoiles, puis des chevals blancs, puis des coutes. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Là. Mais c'est quoi la croyance? Mais on a une croyance en l'entour de ça, du couple qui est comme sacré. Puis bien souvent, on ne sait même pas c'est quoi. On n'a aucune idée de ce que ça peut représenter. Et comme tu as dit tantôt, on a aussi notre partenaire, très souvent, va représenter nos autorités parentales. Il va refléter la relation qu'on a eue avec nos autorités parentales. Fait que là, on est un peu, des fois, démunis, perdus, parce qu'on retombe dans l'enfant intérieur, hein, qui n'avait pas de ressources. Mais pourquoi? Mais aussi parce qu'on a cette croyance
sais? Parce que si je voyais ma relation amoureuse comme n'importe quelle autre relation amicale, ça ne ferait pas nécessairement le même impact, même si c'est le reflet parental. Parce que mes amis aussi se lient à quelque part, tu sais. Donc, peut-être pas le même statut. Parce qu'en tant que couple, tu sais, pourquoi est-ce que dans le couple, on en mettrait un supérieur à l'autre, qui serait en autorité sûre? Tu sais, très souvent, on va aller vers quelqu'un qui on va l'admirer. Oui, ça veut dire qu'il est mieux que moi. Donc, ce que je vais ressentir face à l'autre, c'est comme oh, mon Dieu, ce que je ressens, s'il n'est plus là, je vais mourir parce que je ne pourrai plus jamais vivre ça. Donc, ça part de moi, ça. C'est en dedans de moi. C'est une partie de moi qui s'est réveillée parce que l'autre est là, OK? Ça s'est réveillé en sa présence. Mais ça n'y appartient pas. Ça m'appartient. Mais nous autres, on pense hey, j'ai besoin de ça, là. J'ai besoin de ça. Fait que. Encore là, je vais me greffer. Ben, j'ai besoin d'aller chercher l'amour que je ne m'accorde pas pour moi. Ben, tu sais, voyez-vous la perception des choses, la perception du couple, comment je me vois, comment je me perçois, comment je me juge, comment est-ce que je m'aime, comment est-ce que tout ça contribue à mon isolement ou au fait de m'occuper de mon besoin de relation. Puis ça, c'est tout en mon pouvoir. Ouais. Tantôt, on parle depuis un bon bout de temps de l'amour de soi, mais si on accepte que l'autre est notre miroir, bien, lorsqu'on s'aime soi-même, ce qu'on voit dans l'autre qu'on aime, ça veut dire que c'est nous aussi. Donc, voilà. Mais à partir de ce moment-là, on ne s'oublie pas. Mais ça, il faut en être conscience. Oui. Ça, il faut en être conscience. Sinon, tu as la conviction, encore là, la croyance, absolument, que c'est l'autre qui possède ça, puis que s'il n'est pas là, tu n'en auras pas. Absolument, absolument. Je suis complètement d'accord avec ça. Fait que c'est séparer, reprendre, c'est la perception. Il faut rechanger, il faut changer notre façon de percevoir le couple, percevoir la relation, et on va pouvoir sortir de l'isolement. Vous en pensez quoi? Vous restez avec quoi de cette rencontre? Ben, c'est ça. Il faut essayer de trouver pour soi qu'est-ce qui me convient vraiment. C'est d'aller voir, chaque personne, il faut qu'elle voit qu'est-ce qui me convient. Moi, si je regarde la relation de mes parents, ils ont passé leur vie ensemble, mais c'était pas une belle relation. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Fait que c'est d'aller voir en dedans, moi, quel genre de relation que je veux, moi, Anne. Tu sais, pas le voisin, là. On a toutes, tu sais, on est tous différents, puis ça, puis c'est correct. Mais quand on le sait, c'est là que je pense qu'on peut avancer. Mais quand on le sait pas, ben là, écoute, on passe. C'est qu'est-ce qui va te nourrir aussi, en dedans, à l'intérieur. Pourquoi est-ce que tu parlais de greffer? On se greffe plus. Bon, en tout cas, pour moi, avant, c'est sûr que bon, j'ai fait de la constellation familiale, puis ça, je sais que les implications, tout ça, là, je comprends tout ça. Tu sais, que justement, j'avais à guérir certaines choses face à ma mère, face à mon père et tout ça. Là, c'est sûr que je vois ça différemment. Mais c'est ça, c'est de me connaître moi, puis d'arriver à dire qu'est-ce que moi je veux aujourd'hui, dans quoi je vais être bien, dans quoi je vais m'épanouir, puis. Puis de mettre des limites, chose que je ne savais pas faire. Je ne connaissais pas ça, des limites, puis ça. Mais là, tu sais, c'est ça. On avance, puis. Puis Jean-Pierre disait aussi, tu sais, oser exister, oser prendre sa place, oser dire, oser parler, mais ça rentre là-dedans aussi, tu sais. Fait que donc, cesser de s'isoler, c'est aussi prendre l'espace que j'ai besoin. Oui, c'est ça. Tu sais, s'il faut que tu prennes une petite pause, puis. Deux minutes, puis tout se dit, mais trouve une façon de le dire. Puis si tu le dis tout croche, ben dis-le. Ben là, j'ai quelque chose à te dire, je sais pas comment ça va sortir, mais sors-le, c'est ça. Quand tout le monde passe avant toi, là, t'as pas pris ta place. Ben j'ai fait ça toute une partie de ma vie, toute ma vie.
On apprend là-dedans, on apprend. C'est ça. J'ai appris énormément, puis c'est ça. Aujourd'hui, je me connais de plus en plus, puis je sais de plus en plus ce que je veux, ce que j'ai besoin, puis ça. Fait que c'est plus facile. Mais pour moi, c'était nécessaire d'être toute seule parce que j'ai passé ma vie en couple. Je ne me connaissais pas pantoute, pantoute, là. Et des fois, dans le feu de l'action, on s'étourdit aussi. T'sais. On n'arrive pas à sentir. On a plein de responsabilités, on a plein de choses, on fait plein de choses. Il faut faire ci, faut faire ça. Mais mes besoins, c'est quoi? On n'est pas du tout dans cette conscience-là. On sait juste que pas bien, pas heureux. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas c'est quoi. Je me suis étourdie tout ce temps-là. C'est ça. Dans le fond, je me sens tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Ben, moi, une grande partie de ma vie, je me suis sentie tout seule. Mais c'est drôle, j'étais en couple. Mais je me sentais toute seule. C'est ça. Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose? C'est tellement des questions importantes. C'est 50 % des couples, c'est 60 % des couples qui ne durent pas, hein, les mariages. Et ce qu'on parle là ce soir, c'est tellement prioritaire. Apprendre à se connaître, c'est ça. Aimer nos besoins, les connaître, nos besoins, tu sais, puis travailler pour les garder, les développer, tu sais, c'est ça. Et tu restes avec quoi, toi, de cette soirée-là? Ben, moi, je reste avec quoi? C'est que, tu sais, il y a de la réflexion à faire sur la vie de couple. Pourquoi que quand on est en couple, on est coincé, on n'est jamais. Puis que quand tu es avec en amitié, ça va bien. Tu sais, c'est y a quelque chose. Puis c'est ça. Et des fois, avec la même personne. La même personne va être en amitié, ça va bien. La même personne en couple, ça va plus bien. Ouais. Y a quelque chose qui change dans notre croyance, dans notre perception. C'est un domaine pour moi que j'ai tout le temps un peu tassé ça pour m'en aller dans le travail, m'en aller dans d'autres choses. T'sais. Tandis que là, je comprends mieux la situation, je comprends mieux la vie de couple, pourquoi que ça devient... C'est comme s'il n'y a plus qu'une personne. Et les deux personnes, il faut qu'ils continuent à vivre chacun leurs affaires. Tu sais, ça touche beaucoup de choses, ce qu'on vient de parler là, à soir. Tu sais, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est un point, c'est une situation, c'est un état de vie que je suis faible, que j'ai à m'améliorer là-dedans. Puis je les vois, les beautés de ça, de comprendre mes besoins. Puis un coup que je comprends mes besoins, ben de travailler pour qu'ils soient développés. C'est ça, avec ça que je sors, moi, là. Puis c'est merveilleux que je comprenne ça. Vous savez que c'est enregistré, hein? Je vais préparer une page. Toutes les vidéos vont être sur la même page. Fait que si vous voulez les réécouter par après, il n'y a pas de problème. Ça va être tout à tous ceux qui vont s'inscrire. Ça vous prend votre courriel, mais vous passez par le site Internet, comme je l'ai mentionné. Vous allez sur chantalbrault.com, puis le premier icône en haut, là, vous complétez et vous envoyez votre courriel pour vous assurer de recevoir ça. Ben, je vais envoyer ça à toute la liste. Suzanne, Chantal, vous restez avec quoi? Merci, Jean-Pierre. Moi, je reste avec l'amour de soi, définitivement. C'est d'où ça part. Aussitôt qu'on a l'amour de soi, on se respecte, donc on peut communiquer aux autres. En premier, on communique avec nous-mêmes, mais on communique aux autres, c'est quoi nos besoins? Puis, je ne pense pas qu'on va continuer à se fusionner si on s'aime soi-même.
À partir du moment où est-ce que lorsque j'ai appris à m'aimer moi-même, je savais très bien que j'avais plus besoin de l'autre pour exister. Exactement. Que c'était un choix. C'était un choix et que oui, je pouvais marcher côte à côte avec un autre être humain, que ce soit en relation ou que ce soit un ami, mais qu'on n'avait pas besoin d'être en fusion pour être ensemble. Exactement. Donc, c'est simple. C'est l'amour de soi pour moi. Moi, je dirais trois mots. Ce serait communication, respect, puis ne pas avoir peur. Parce qu'on n'a pas peur de parler avec nos amis, puis de dire ce qu'on pense, puis toute l'équipe. Mais on a peur en relation parce qu'on a peur d'être jugé par l'amour de notre vie ou quoi que ce soit. Puis pourtant, on se revient de bord, puis on compte nos affaires aux voisins. Mais c'est vraiment communication, puis de ne pas avoir peur. C'est ça. Jean-Pierre, il a soulevé quelque chose de fun aussi, c'est qu'il y a beaucoup de couples, si tu disais, il y a 51% des personnes célibataires. Il y a beaucoup de couples, mais il y a beaucoup de couples qui sont en couple, mais qui ne sont pas en couple. Tu sais? C'est la majorité, là. Les couples à laisser. C'est ça, ils sont là, ils sont là parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plein d'habitudes, parce que, tu sais, c'est ça, là, aussi. Ouais. Parce qu'ils ont une maison, un char, un chien, un bateau. Ils se parlent pas, ils cohabitent. C'est ça, c'est l'habitude. Ça peut rester de l'isolement aussi. Ouais. Donc, en couple ou célibataire, ça n'a aucune différence. Avec la même personne, même, ça va changer selon les circonstances. Fait que tout est là-dedans, ça revient toujours juste à l'amour de soi. Fait que sur ce, moi, je vais mettre fin à l'enregistrement. Si je peux le trouver.